Bonjour et bienvenue sur Freedom Génération. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Elitum avec nous qui va nous partager une clé pratique sur la manière d'expérimenter la lumière et le son intérieur dans notre vie. Donc le son et la lumière intérieure. D'abord, comprendre ce qu'est vraiment le son et la lumière. Donc le son, cet élément qui va à la vitesse de 1235 km par heure. La lumière, la vitesse de la lumière qui est de 300 000 km par seconde environ. Donc ça, et ça, ça se passe autour de nous chaque jour. Et ces éléments ont affecté et affectent encore aujourd'hui notre développement. Donc, utiliser ces éléments que sont le son et la lumière dans notre vie est très important. Important pourquoi ? Pour notre développement, pour notre bien-être, pour notre santé. Nous sommes des êtres de lumière. Et le son et la lumière sont en fait, regroupent en fait la même chose. La différence, c'est que la fréquence du son et la fréquence de la lumière sont à deux niveaux différents. C'est tout. Maintenant, utiliser le son et la lumière a à nouveau un rapport avec le mental. Apporter de la lumière à votre corps va apporter, en fait, va nettoyer le noir, l'ombre de votre corps. Cette ombre qui correspond au blocage de notre flot énergétique. Donc toutes ces pratiques qui consistent à utiliser le son et la lumière intérieure ou le son et la lumière extérieure. Et bien que je parle de l'élément de lumière, j'entends beaucoup de groupes de gens parler des dark rooms, donc de ces chambres noires, donc le fait d'être dans le noir qui nous aide à développer cet élément chimique en nous qui est la mélatonine. La mélatonine est très importante pour notre santé. Donc, j'aimerais mettre au clair cet aspect aussi, car la création de cette lumière que nous mettons dans nos constructions aujourd'hui, ce que nous faisons en fait, c'est comme amener la lumière à l'intérieur d'une grotte. Et ça cause aussi beaucoup de problèmes, car notre corps n'est plus forcément dans ses cycles naturels comme il est censé être. Certaines heures de lumière sont nécessaires pour la glande pinéale, la glande pituitaire, pour qu'elles aient les éléments dont elles ont besoin. Et aussi certaines heures d'obscurité naturelle permettent au corps de sécréter la mélatonine. Donc aller vers ce générateur nucléaire thermique qui se trouve au-dessus de nous et qui s'appelle le soleil, avec sa lumière qui nous affecte tous les jours, c'est bénéfique. Nous avons aussi les radiations cosmiques de fond qui sont mesurables avec des instruments de type scientifique et qui affectent notre corps. Également, un être ascensionné ressentira que la lumière du soleil n'est pas seulement un flux, une vague d'énergie, c'est aussi une particule, mais c'est également l'émission d'un son. Les sons naturels, si nous réalisons ce qu'ils sont en tant qu'être humain, et c'est pourquoi je parle tant de l'entièreté de l'énergie de la nature, et également de l'entièreté d'un mode de vie holistique, alors ce sont les choses bénéfiques pour notre santé et pour notre séjour sur cette planète. Elitum, comment peut-on expérimenter la lumière et le son intérieur en nous au travers d'un outil ou d'une pratique lorsqu'on n'est pas habitué à cela ? Les outils et pratiques que je recommande pour débuter, surtout quand tu n'as pas l'habitude, ce sont des visualisations et des méditations. De nos jours, il existe beaucoup de méthodes pour se focaliser sur la lumière. Si tu n'as pas de professeur dans ce domaine, tu peux aussi obtenir différents types de méditations au travers d'Internet ou autre, où se trouvent d'ailleurs beaucoup de pratiques différentes. Également, il y a le chant.
la récitation, en fait, comme la récitation de mantras. C'est une bonne chose à expérimenter, même pour les débutants. Les sons, comme on peut les expérimenter aussi au travers de la méditation. Il te faut juste trouver celui qui te correspond. Garde à l'esprit que si tu as les mantras, qui est la forme de chant ou de récitation orale, tu as également les mantrams, qui sont le fait de travailler, réciter une pensée en fait, utiliser une même pensée répétée pour la transmettre à tout notre corps. C'est aussi un excellent exercice. Tu peux pratiquer les mantras où tu veux, même sur ton lieu de travail, sans déranger tes voisins. Elie Tom, peux-tu nous donner un exemple de mantram que tu utilises? Ok, pour le mantram, avec un M à la fin, tu dois utiliser quelque chose de positif qui fonctionne pour toi. Par exemple, si tu dis « je suis lumière et amour », comme pour le mantra, qui est le chant, la répétition continue d'une phrase, c'est aussi la répétition en elle-même qui t'aide à déverrouiller des blocages en toi grâce à un son émis. Donc tu peux utiliser le mantram qui est juste la pensée, mais la pensée fait exactement la même chose. Rappelle-toi quand nous avons parlé de la prière plutôt et de cette sorte de vague comme des fréquences radio qui viennent de notre mental, de nos pensées. Et bien maintenant, tu prends ces ondes radio et tu les amènes depuis ton mental vers tout ton corps et elles guérissent ton corps. Donc tu peux répéter « je suis lumière et je suis amour » en le pensant au travers de tout ton corps, en utilisant la visualisation pour amener ce processus de pensée dans tout ton corps jusqu'à tes pieds. Tu vas te rendre compte après un certain temps de pratique que ça amène une grande guérison dans tout ton corps et tu vas commencer à expérimenter ainsi le pouvoir du son, le pouvoir de la lumière et le pouvoir des pensées. Elie Tom, est-ce que la méditation, visualisation sur la lumière et le son intérieur font partie d'un processus de nettoyage? Et si oui, de quelle manière est-ce que cela forme un tout dans un processus de nettoyage? Cela aide beaucoup dans un processus de nettoyage d'y intégrer la lumière et le son, les visualisations, les méditations, parce que tu prends cette voie naturelle de lumière, ton processus de pensée devient en fait un véhicule. Rappelle-toi, j'ai dit plus tôt que ton corps est par nature capable de se détoxifier naturellement. Tu as donc cette lumière, ce son qui traverse tout ton corps et qui évite ces blocages qui sont créés principalement par ton mental. Tu peux appeler ça des habitudes, mais ces habitudes sont bien la première place, ce qui nous ramène au processus de pensée. Donc maintenant, tu utilises ton processus de pensée pour lâcher ces blocages qui sont causés en premier lieu avec la lumière positive, le son positif, les visualisations positives, et en y incorporant ces pratiques dans ta vie, ton corps et ton mental savent que c'est le nouveau contrôle mental qui prend place pour ton être. Donc ces éléments sont très puissants pour aider le foie, les reins. Le mental fait bien partie du processus de détoxification, mais il est aussi consciemment, maintenant, ton transporteur de lumière dans ton corps. Tu le faisais peut-être inconsciemment avant, mais maintenant tu le fais consciemment. Donc le processus s'accélère beaucoup plus que lorsque tu laissais les choses un peu aller à leur rythme. Merci Elie Tom pour ce partage sur Freedom Generation. Au revoir, merci.